Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau, enfin, pour un nouvel épisode de World of Warcraft. Donc nous nous trouvons ici à la vallée, enfin à Orgrimmar, hein, donc au niveau des Zeppelins. Hein. Donc on va partir vers les terres foudroyées, mais pour partir aux terres foudroyées, merci. Il faut qu'on prenne, donc en tout cas à mon niveau, donc 56, c'est ça. Il faut qu'on prenne le Zeppelin vers Strongleron, ce qui se trouve bien entendu ici. Voilà, Strongleron là. Il faut remonter jusqu'au bois de la pénombre, prendre en haut à droite jusqu'à le défilé de Deuil-Vent, et ensuite partir encore sur la droite à l'est pour arriver aux terres foudroyées. Mais apparemment avec la mise à jour Warlord of Draenor, toute la zone ici a complètement changé, vu que normalement elle a été... Enfin, avec le passage dans le temps et que machin truc, et que si, c'est un bref, voilà. C'est le gros bordel, logiquement. Et apparemment, il y a un personnage qui nous permet de revenir dans le passé et avoir les terres foudroyées comme elles étaient avant. Donc ça, je veux voir si c'est possible. Sinon, il faudra se taper tout le bazar, quoi. Bref. Voilà, donc on est parti pour Grumgol. Ça peut pas être mauvaise chose, ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Non, je lancerai un donjon quand on partira, quand on sera là-bas. Sur le gros trajet, de toute façon, on n'aura rien d'autre à faire qu'attendre que ça proc, traverser des zones. Je regarde juste un petit coup de danse parce que ça fait longtemps. Ouh yeah. Il ressemble à quoi mon truc en fait? Parce que j'ai mis un. Le haut que j'ai, il ressemble à quoi? Passé. Ah oui, évidemment, si je retire le truc et pas le tabard. Ouais, il est pas mal encore. Hein. Il y a juste le pantalon que j'aime pas trop, mais... Ouh yeah. Bon. Gentleman. Partons. Donc niveau 55, mais je pense que lui, il va au terre foudroyé comme moi. Il doit galérer comme un porc comme moi. Il est en train de regarder sa map, en train de se dire... Putain, comment je vais y aller. Il se dit... Eh merde. Donc oui, donc apparemment voilà, donc évidemment quand tu prends le portail pour aller jusqu'en l'autre terre, c'est logique que tu puisses le reprendre dans l'autre sens pour revenir aux terres foudroyées. Il est où ce putain de truc là, ce TP? Bref, il y a des TP un peu partout, c'est vrai que quand t'as pas le niveau, c'est chaud. Je bois un petit peu parce qu'à force de blablater évidemment, hein. Mais non, du coup, je me rappelais plus comment j'avais été aux terres foudroyées. Est-ce que j'avais fait seulement les terres foudroyées? Est-ce que j'avais fait les terres foudroyées ou est-ce que j'avais fait peut-être... Silitus. Je me demande si j'avais pas plutôt été à Silitus jusqu'au niveau 60. Et du coup, j'avais. Voilà, c'est ça, c'est logique, hein. Si tu vas à Silitus, t'as pas besoin de faire ça. Et puis je pense que j'avais pris le TP de la quête jusqu'au terre foudroyée, un truc comme ça. Ah bah oui, c'est une possibilité aussi, n'est-ce pas? Voilà, nous voilà au campement Grumgol. Parfait, excellent. Hop, hop, ça tourne, ça vous donne la gerbe, et on y est. Oh. Du coup, là nous sommes là, d'accord, alors il faut remonter jusqu'au nord, donc ce que je propose, c'est qu'on regarde les donjons à faire. Profondeur de roche noire, ça c'est fait. Merde, c'est lequel que j'ai fait, c'est le Bapik ou profondeur de la ville? Putain, je sais plus, attendez. Shift P... Non, Shift... Shift P... Non, c'est où le donjon, du coup? Ah, donjon. Bah du coup, c'est où que t'avais le truc recherche de donjon? Ah, donjon. C'est lequel que j'avais fait? Scolement, c'est écarlate, hein, ce d'étrange branche... Bas du pic. On a tué qui? Oui, matriage couveuse. Ok, c'est le bas du pic que j'ai fait. Parfait, donc bas du pic, c'est bon. Ben voilà, il en reste deux. C'est parti. Voilà, maintenant nous sommes partis pour notre voyage vers les terres foudroyées. C'est vrai que j'ai pas pensé du coup avec la mise à jour. Oh, pire, c'est beau, hein. L'herbe comme ça, c'est fourni. C'est bien fourni. En même temps, enfin, c'est parce que j'ai mis la commande du truc, mais... On se comprend donc, quoi. Ouais, ils vont pas me faire chier quand même, ceux-là.
Par là, vers le nord. Donc une fois que j'aurai vers le nord, la boîte de la pénombre, voilà. Est-ce qu'il y a du monde? Ah, ça peut venir comme ça peut être bien chiant. Je vous assure que là, ça peut se faire comme ça peut être chiant. Donc voilà, je veux juste voir par rapport au... J'ai un putain de trou. Aux terres foudroyées, voilà, si on a possibilité d'y accéder avant l'invasion de Garrosh. Puisque c'est Garrosh, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Garrosh qui retourne après s'être fait capturer de... Après, dans les événements de Mist of Pandaria. Il devait se faire juger, c'est ça, et puis il est reparti dans le passé. Si je me rappelle bien du truc, hein, il est reparti dans le passé pour justement unir les clans orques. Il a uni les clans orques plutôt que de se lier au machin de la Légion Ardente, là, au démon, machin truc, qui fait que du coup maintenant ils sont... Ah ouais, attendez, faut que je passe par là. Ils sont unis par rapport au truc plutôt que d'avoir fait exploser Outre-Terre. Voilà, c'est pour ça que du coup on a deux versions alternatives de l'Outre-Terre. Il y en a une qui a été détruite à cause de l'utilisation du machin, c'est ça, si je ne dis pas trop de conneries, hein. Et l'autre a été sauvegardée grâce à Garrosh, qui a unifié les clans orques. Si j'ai bien compris toute l'histoire jusqu'aux extensions, hein. Parce que je vous avoue que moi, j'ai fait jusqu'à Mist of Pandaria, et puis Mist of Pandaria, j'ai beaucoup fait sur Cataclysm. Mist of Pandaria, je l'ai un peu survolé. J'ai été jusqu'à l'île du Temps Figé à l'époque, jusqu'à 90, et j'ai commencé à farmer sur l'île du Temps Figé, puis ça m'a gonflé, et puis voilà, j'ai plus fait grand chose. Mais alors attendez, il y a le chemin là, parfait. Alors donjon? Non, toujours pas. Ouais, ça peut être long comme court, hein. Un peu comme ma... Non, je la ferai pas celle-là. Je la ferai pas. Alors là, du coup, alors c'est jusqu'au nord-est. Donc là, on est à Forêt d'Elduin. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, on est au bois de la pénombre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le genre de quête que tu fais quand théoriquement t'es un gobelin. Si je dis pas de bêtises, hein. Enfin, quand tu commences gobelin, ouais. Gobelin ou... Ouais, si, gobelin, hein. C'est quoi cette histoire là? Ah ouais! Ah ouais! Ouais, ouais! Bah écoutez, ne passez pas par là! Évitez de passer par là! C'est juste un petit conseil. C'est vrai que je l'ai jamais regardé de près en fait. Parce qu'à chaque fois je la. Si vous citez. Ah ouais, non. Ça, je ne fais jamais ça. Oh ça, je suis juste à côté en plus, sans déconner, je vais pas me faire chier. Alors attendez, je vais juste voir où est-ce qu'ils sont. Hein. Attends ma grande, parce que du coup... Voilà. On va éviter de mourir comme des blaireaux, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que là, du coup, je pense que je suis en territoire ennemi. Ça arrive. Mais vu que j'ai pas eu de marqueur PVP, on s'en fout. Mais du coup, c'est peut-être la zone des humains ici. Ça m'étonnerait, mais... Parce que je vous avoue que le sud du royaume de l'Est, je l'ai pas beaucoup fait. Hein. Je peux essayer de me le faire. Ah ouais, je peux me le faire. C'est cool. C'est cool, ça. J'ai tué leur marchand, je suis un connard. J'ai tué le marchand, je suis un gros connard. Bref, on va essayer de ne pas se faire choper par des gros gardes en fait. Je sais plus si t'as des alertes comme ça quand tu tues des gens en PVP. Enfin, des PNJ. On va faire attention. Bah, c'est un veilleur donc à la limite. Juste faire gaffe en fait au machin. Voilà. Ouais, c'est ça, ça va être la zone des humains ici. Ouais, je vais pas faire trop le malin non plus. On va passer en vitesse.
en fufu, personne nous voit, excellent. Je suis pas là pour me, je suis pas là pour faire pour faire des emmerdes. Mais j'ai jamais joué humain dans le jeu. Alors j'ai joué quoi? J'ai joué elfe de la nuit. J'ai joué elfe de sang. J'ai testé Tauren. J'ai testé Gobelin. Je suis en train de réfléchir, mais... Pourquoi je peux pas me mettre en fufu? Ah ouais, je me disais aussi. Donc voilà, donc ouais, j'ai jamais testé humain. J'ai jamais commencé en étant humain. Pourquoi, j'en sais rien, je... Je sais pas du tout. C'est pas un avis ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai jamais testé humain, c'est tout. Et c'est plutôt sympa, hein. Ça me rappelle un peu à l'autre. À l'autre, quand t'arrivais vers Brie, du coup, enfin, c'est pas pareil, mais... T'avais un peu la même zone comme ça, voilà, moi ça me plaisait bien, c'était sympa. Ouais, là on arrive au bout. Ok. Alors nous voilà au... Carmine, non, il fallait que je passe au machin de bois de la pénombre. Je suis peut-être monté trop haut là, non? Comment est-ce que tu fais pour passer du... Du coup, c'est par les Carmines? Mais non, c'est pas par les Carmines. Est-ce qu'il y a seulement moyen de passer par là? Logiquement, oui, il me semblait que j'avais vu que... Ah, là. Je crois que c'est là que je me suis trompé, j'étais trop haut. Je crois qu'en passant comme ça, t'arrives du coup. Ouais, c'est ça. Ok, j'étais trop haut. Ah bah du coup, comme quoi, hein. Comme à l'ancienne, tu prenais ta monture et tu faisais tout, tu traversais les zones. Voilà, voilà. Mais bon, il y a quand même moins de joueurs, voilà. Et puis t'es pas obligé de faire du PVP, quoi. Si j'ai pris un serveur roleplay, alors oui. Un serveur roleplay, oui, c'est PVP, puisque si tu fais vraiment le roleplay, t'es censé taper sur la gueule des autres. C'est logique, hein. C'est totalement logique. Mais j'ai pas envie de m'embêter avec le PVP. Parce qu'il y a un truc qui m'a pas traumatisé, mais qui m'a tellement saoulé, c'était sur Aion. Quand je jouais, c'est que Aion, t'as du PVP sauvage, mais tu peux pas le désenclencher, en fait. Donc quand t'es tranquillement en train de farmer tes petites zones, que t'es tranquillement en train de faire tes petites quêtes, par exemple comme maintenant, comme je ferai là, et qu'il y a une bande de 4-5 personnes qui t'arrivent dessus et qui te démontent et qui farment ton corps, parce que voilà, ça farme ton corps, parce que c'est drôle, parce que comme ça tu peux pas 13, enfin bref, c'est le bordel. Ça farme ton corps, ça farme plein de choses. Je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus casse-couille que ça, que de se faire farm dans un jeu, surtout que quand t'as pas envie. Alors, autant différencier les zones PVP, ça je suis d'accord, il n'y a pas de souci. PVP, PVE, moi je suis content, enfin voilà, moi c'est bien, tu... Putain, vanish, hop. Je suis pas là pour vous emmerder les gars, pas de souci. Je traverse juste, voilà. Je veux juste traverser tranquillou, parce que je suis monté trop au nord. Voilà. C'est bien cela. Et là, du coup, on va arriver dans le défilé de Deuil-Vent. C'est ça, un Deuil-Vent. Deuil-Vent, c'est ça. Voilà, parfait. Ah bah c'est tout de suite glamour, hein. C'est glamour à souhait. Parfait. Bah là du coup on va prendre le chemin. Alors je sais pas si du coup je dois descendre. Écoute, on va voir. C'est une zone de quel niveau ça ici?
50-56. Ah ouais. Ah, c'est que tu fais pas grand chose en fait ici. Puis t'as le marais des chagrins, mais t'as les terres foudroyées. Le passage des terres foudroyées est. J'en ai aucune idée, putain. La zone ici, ça va où? Alors, ah, il faut peut-être passer par le marais des chagrins du coup. Marais des chagrins, et puis redescendre par. Par la côte, peut-être. Ah non, là, y a un chemin, marais des chagrins. Ok, donc faut passer par les marais des chagrins. Ok, bah faisons ça. Sympa comme zone. Je sais pas du tout ce qu'il y a ici. Ça a l'air vraiment d'être une toute petite zone en fait. Ah oui, c'est vraiment petit comme zone, hein. Ah, vous avez vu les visages dans les troncs d'arbres? Ils sont tout piqués à Disney. Ah, ben voilà, on change de zone, bien pourrave. Une zone bien pourrie avec la putréfaction et la pourriture et toutes ces choses-là. Marais du chagrin. Oh. Alors, est-ce que c'est bien fourni en saloperie, ça? Le marais du chagrin. Ah, c'est joli, on dirait des coquelicots. Ah non, peut-être pas, on dirait des. Bref. Ah merde, oui, là c'est par contre 54, là. Faut pas que je fasse trop le malin parce que. Ouais, parce que là c'est 54, et j'ai pas envie de me faire tuer bêtement pour. Attendez, faut que je mette mes poisons. Tiens, et à propos le donjon. Ah bah voilà, il me manque un tank. Voilà, comme ça c'est bon, petit coup de sprint. Ah ouais, c'est sympa comme zone, ça a l'air vachement pourri mais ça a l'air sympa en fait. Tiens, il y a une quête là, mais j'ai pas envie de faire les quêtes ici, j'ai vraiment envie de faire les quêtes aux terres foudroyées. Mais alors du coup avec le contenu, l'ancien contenu ou le nouveau contenu? Bah, je me rappelle pas avoir fait les quêtes. Ah si, peut-être que j'ai fait les quêtes avec l'ancien contenu. Mais pas avec ce compte-là, bien entendu. Hein. Non, mais c'est vrai que oui. Ce serait pas con de faire le nouveau contenu, en fait, tout simplement. En même temps, j'ai l'extension. On va pas s'embêter. Hein. J'ai l'extension. Je sais pas ce que vous, ça vous dit, mais. Ah, là je reconnais. Ça, les lueurs rouges comme ça, rougeâtres, ça y est, on y est. Voilà, on y est. Avec du mauve comme ça. C'est joli comme ça, hein, le. Ouais, ça me dit bien quelque chose. du coup. Salut les gars, ça farte? Bon, bah allons chercher les quêtes. Par contre, du coup, c'est par là. Oula. Oh, peut-être qu'il y a les mollo quand même. Claque le saccageur. Putain, ça je veux me le faire. Et ici, claque. Je suis peut-être crevé. Mais non, voilà. Parfait. Bah, c'est cool ça. Mais alors du coup, est-ce que c'est la zone anciennement joueur ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, salutations. Où est-ce qu'il est le TP? Ah, au-dessus. J'y vais comment? Comment que j'y vais? Par le chemin. Bien vu l'aveugle. Bien vu l'aveugle. Tiens, parfait. Gloire à la Horde. C'est quoi ça? Viens pas me dire que c'est un truc de Zeppelin qui t'emmène jusqu'ici quand même.
Ah ouais, non, c'est bon. Alors, voyons ça. Bon, mais nous y voilà. Nous y voilà, les amis. C'est top. Et le donjon, là. Oh putain, mais ils se sont tous tirés, là. Ah là 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 là. Pitoyable. C'est fou, mais... On aurait dit, je me suis dit, putain, mais je vais pas savoir faire le donjon, moi, le matin, le midi ou quoi. Et dès que les gosses sortent de l'école, tu peux plus faire le donjon. C'est fou, c'est hallucinant. Force. Que voilà, ne connaissent jamais. Voilà, les gars. Bon, bah, on y est. Je vais monter jusqu'en haut, juste histoire de dire. Et puis, on va s'arrêter là. Quoi que ça fait que 20 minutes. Ah ouais. Bon, ça fait que 20 minutes. Putain, ça monte là ou pas? Je suis curieux. Ah ouais, y'a que dalle, d'accord, ok. Salutations! Il se passe quoi ici? Ah! Ah non, ils font dodo. Ça c'est un coup à se retrouver coincé de l'autre côté. Bon, moi j'ai découvert le trajet, donc dans le pire des cas. Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il s'excite lui? Kezako, qu'est-ce qui se passe? Alors, embusqué, cogne, peur, tuer. Parfait. T'inquiète, t'es sérieux, c'était ça, t'inquiète. Y'a pas du donc. Ah, attendez deux petites secondes. Ouais, voilà, heureux. Alors, du coup. Force et honneur. Oui. Cherchez la victoire. Ah, il veut que je me présente où? Ok, d'accord. Bon ben c'est parti. Hein. Tac. Ah. Je t'avais point vu. Tiens, viens ici. C'est ça, si tu veux. Ok. Il y a d'autres quêtes comme ça à prendre, non? Il n'y a pas l'air. C'est parti, mon kiki. Allez, un donjon pour que je finisse ma répute, moi. Non, mais... Tu as envie de finir ma réputation? Allez, ça c'est bon. Oh putain, ça me rappelle... Vous savez ce que ça me rappelle, cette zone-là? Ça me rappelle, en Outre-Terre, les mines où il fallait farmer les œufs pour les drakes. Bref, j'en perds mes mots. Ceux qui ont fait ces quêtes pour récupérer ces putains d'œufs, je pense qu'ils comprennent ce que je veux dire par là. Concrètement, hein, je suis persuadé que les gens comprennent et qu'ils se disent « Oh putain !» Alors quand il y avait personne, ça allait, mais quand t'avais du monde... Oh, putain, tu devenais fou. Je vous jure, c'est pas une blague, hein, tu pétais des câbles. Hein. En plus, j'ai l'impression que c'est sur le même modèle. J'ai l'impression que c'est copié-collé, quoi. Ah ouais, ça a l'air d'être exact... Oui, c'est ça, c'est exactement le même modèle. Ils ont copié-collé la zone. Ça a intérêt à valoir le coup. Qu'est-ce que c'est? Ne faites confiance à personne. Au revoir. Donc, il veut que je fasse quoi? Contre-maître des remparts, d'accord. Et l'autre, c'est quoi? Mineur des remparts, ok. Bah, c'est du farm, quoi. Viens, mon bichon. Tu vas voir ce que ça va te faire. Enfin, ma bichonne. Excuse-moi.
Je n'ai pas de cible. Voilà. Cette technique n'est pas encore utilisable. Cette technique n'est pas encore utilisable. Ça c'est fait. Du coup, il faut que je... J'en ai combien à faire là, au total? Non, pas du tout. Alors, mais pas du tout. Donc, il me reste 3 minerais. Putain. 3 minerais 10 sous. Oh là là. D'accord. Et puis, mineur, ok. Ok. Désolé, j'ai appuyé sur un truc. Ça nous trop quelque chose, ça. C'est bizarre parce que c'est exactement la même... Alors, je sais pas si c'est une... Je sais plus si c'est une... Voilà. Minerai, il m'en manque un là, mineur. Il me faut une cible. Bien avoir un quelque part de tel minerai, non? Un dissolant. Là, parfait. Ok, il n'y a plus qu'à lui rendre. Voilà les amis, allez, on va se quitter ici, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire et à plus tout le monde. Salut, salut!